La princesse Rajwa de Jordanie a accompagné son époux, le prince héritier Hussein, et son beau-frère le prince Hashim, au mariage de leur cousin, Talal el-Saleh. Deuxième fils de la princesse Alia, le jeune homme de 33 ans a épousé, ce 27 juillet 2023, sa compagne Dana Sichan, en présence de leurs proches et amis. Sur place, la princesse Rajwa est accueillie à bras ouverts par sa tante par alliance, la princesse Alia, à son arrivée au mariage de son fils Talal. Dans quelques minutes, celui-ci unira son destin à sa fiancée Dana Sichan, devant un parterre d'invités réunis pour l'occasion. Pour ses réjouissances familiales, Rajwa est accompagnée de son mari, le prince héritier Hussein, et de son beau-frère, le prince Hashim. Tous trois retrouvent avec bonheur leurs proches, à commencer par la princesse Smina et le prince Faisal, la mère et le frère du roi Abdallah II. En effet, depuis le début de l'année, les heureux événements se multiplient au sein du clan hachémite. Après les noces de la princesse Iman avec Jamil Alexander en mars, puis celle du prince héritier Hussein avec Rajwa, le 1er juin dernier, c'est désormais au tour de Talal el-Saleh et Dana Sichan de se dire oui, au cours d'une cérémonie religieuse appelée Katbal Kitab. D'ailleurs, le couple s'était fiancé en novembre 2022 en présence de leurs familles respectives. Vêtue d'une élégante robe à motif floral Paco Rabanne, la princesse Rajwa est rayonnante. Peut-être se rappelle-t-elle l'immense joie qu'elle avait ressentie au moment d'épouser Hussein au palais Zahran, Amman, 2 mois plus tôt. Aux côtés de Hashim, elle observe tendrement son époux discuter avec son cousin Talal et sa tante Alia, comme en atteste le cliché partagé par cette dernière sur son compte Instagram. Mère comblée, la demi-sœur du roi Abdallah II a choisi de publier plusieurs photos souvenirs du mariage. Que Dieu les bénisse tous. Sur cette chaîne, nous collectons les nouvelles et l'actualité royale, basant sur les informations de plusieurs sites et Media People. Nouveaux jours et nouvelles vidéos. Bienvenue sur un nouveau rendez-vous d'actualité Quoi Neuf France. On continue. Le soir venu, la famille royale hachémite se retrouve pour un dîner donné en l'honneur des jeunes mariés. Bouquets de fleurs et bougies ont été disposés sur les tables dressées pour l'occasion. Des places de premier choix attendent le prince héritier Hussein et la princesse Rajwa, puisqu'ils s'installent à celle de Talal et Dana. À la vue de leurs visages enjoués, une ambiance chaleureuse et bienveillante règne parmi eux. Pour l'épouse du futur roi hachémite, ces noces sont aussi le moyen de faire plus ample connaissance avec les membres de sa nouvelle famille, et de bénéficier de leurs conseils pour appréhender au mieux ses premiers pas officiels comme princesse de Jordanie. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. À la prochaine.